J'ai mangé de pangolin. Le pangolin, si vraiment, l'histoire de pangolin là, je vais répondre. On m'a identifié dans une vidéo que la tueuse a parlé. Elle a dit quoi? Demandeuse de pardon à Facebook. On m'a dit quoi? Moi, je dormais déjà. Elle dit que j'ai mangé la. On a mis le cœur dans mes vidéos. Hein. Mettez seulement le cœur. Je veux répondre. On m'a identifié dans une vidéo là. Je veux répondre à la BAP, à la poisseuse lesbienne qui a tué une fille au Cameroun et qui a tué son enfant. Il sait quoi, elle fait la pute. Je vais te répondre. Personne âgée. Appelez-moi la personne âgée là que vous connaissez. Personne âgée qui se dit qu'elle est Sodo Star. La Sodo Star, Aïcha Mimbang. Personne âgée. Hein? Quand vous met au travail, quand vous. Tu ne seras jamais star un jour. Ni Lolo Pipi. Vous ne serez jamais star. Autant t'a utilisé. Il t'a gnoxé. Maintenant, il est parti chercher un cancam. Mais cancam, je ne pense pas qu'il gnoxe ça. C'est un ami. Seulement la sortie de cancam seulement. On voit qu'un cam avec Otam. Tu n'as pas honte? Toi, tu viens demander pardon. Tata, le dos, pardonne-moi, tu sais que je t'aime bien. Mbap, tu parles d'habillement. Tu penses que moi, je vais prendre mon temps pour te répondre pour l'habillement. Je n'ai même pas voulu savoir même ce que tu as dit. Tu sais que je suis allé chercher. Tu peux t'habiller plus que moi. Avant que tu portes les sacs, Louis Vuitton, que tu vas payer dans les ventes privées là, à 200 euros. Moi, j'avais ça. Payé chez Louis Vuitton. Tu attends, non? Tu n'as jamais eu la chance dans ta vie. Aucune chance. Aucune chance. Bap. Regarde l'écharpe que je porte là. Ça, c'est moi dans la photo. Hein. L'écharpe, elle est ici. C'est l'écharpe que je voyage avec. Je connais comment voler ça. Je crois que je l'ai vu dans mes affaires là. Ça, c'est Louis Vuitton. Maison Louis Vuitton. Regarde-moi une saleté comme ça. Hein? La soirée camerounaise t'a fui. Tu es parti errer chez les Ivoiriens. Maintenant, on t'a déjà mis O.A. Tu as fabriqué. Tu as fabriqué Emmanuel Keita. Aujourd'hui, il y a combien d'abonnés? Elle vous donne les grosses voitures. Toi, tu sautes encore le métro avec moi. Tu as fait quoi depuis? Pas au Cameroun, non? Va faire la Guadeloupe au Cameroun. On va t'arrêter là-bas. Quand tu pars au Cameroun, on ne sait pas quand tu arrives. Parce que personne ne connaît qui tu es. Qui te connaît au Cameroun? Tu n'as même pas honte. Une femme que tu as humiliée en pleine télévision à Vox Africa. Hein? Moi, je dors partout, que ça soit dans mes canapés. Tu as humilié le lot pipi avant que ça fait. Tu vas demander pardon. Regarde-moi une sale chienne comme ça. Tu me parles pour. Tu dis que si il faut te reprendre, il faut t'habiller. Qui peut t'habiller plus que moi? Tout le monde est le même corps vestimentaire. Tu es personne âgée. Tu sautes, tu chausses sang. Je suis sang. Mettez les cœurs quand il parle comme ça. Mettez les cœurs. Tu chausses point, tu sang. Regarde-toi. Les habits que tu perds là, chez les Chinois là-bas. Qui t'a déjà invité où? Mbap, que tu sois. Autant t'as mis ça derrière, devant, tu as sucé, il t'a chassé, il est parti prendre un cam. C'est seulement le fait que tu vois autant avec un cam, tu sors. Lolo, pardonne-moi. Aïcha Makoro, elle dit qu'elle est seule. Tu peux manger la seule un jour. Une crevade comme toi. C'est ce qu'il mange la tchèque avec les doigts. Regarde-moi une salle. Tu vois que moi, la fois, je vais aussi pour t'insulter, il faut que j'aille m'habiller. Je m'habille quand je veux et j'en ai. J'ai une garde-robe. Inestimable, que ce soit les choses, que ce soit les bijoux, inestimable. Hein? Toi, tu as quoi? Avec ta petite pauvre, elle chose 110. Comme vous la voyez, les grandes tailles là, 110. Il n'y a que le milieu africain qui toi a vomi. Maintenant, comme tu vois maintenant que, oh, elle n'a plus d'un ton là-bas, elle va maintenant demander, le pardonne-moi. Le pardonne-moi. Tu n'as même pas honte. Womo, Aïcha Mimbang, tu choses pointu sang avec ton gros caca qui est sur la tête là. Apparemment, tu as enlevé ça. Là, moi, il est lent, je me te tue pas là qui. Tu me vaux, puis ton fils est sauté ici. Un petit garçon, pac, à côté, tu étais où? Tu laisses la femme dans la maison, la femme saute, il se casse le cou. On devait te mettre en prison pour négligence.
Moi, j'ai cessé de payer pour les nourrir dans un hôtel. Et tu me parles, moi. Tu as appris que j'ai habité avec mes enfants l'hôtel un jour. Tu es qui? Regarde, tu peux porter une écharpe Louis Vuitton comme ça. Ça, c'est moi, hein. Donc, je vais m'habiller pour te répondre. Je réponds au caca de la poule, au maquereau. Elle me dépasse propre, hein. Bon, alors là-bas. Quoi? Bon, elle me dépasse avec quoi? Aïcha Sow me dépasse avec quoi? Elle a d'abord les papiers. Les papiers qu'il fallait qu'elle ait les papiers parce qu'elle a fait le droit du sol ici. Elle me dépasse avec quoi? Elle me dépasse avec quoi? Anissé Azaba. Viens parler ici. Avec quoi? Elle a une voiture. Moi j'ai une voiture. Lola a une voiture. Avec quoi? Dis-moi avec quoi? Vous avez entendu que les gens me dépassent ici à Facebook. Que ce soit le pipi, que ce soit Aïcha, Aïcha Makoro. Pointu sang, je me dépasse en rien. En quoi? Vous avez ces missions avec Africa, ça marche. Il suffit qu'elle intervienne les Camerounais dans sa petite misérable page de Vox Africa là. C'est là que maintenant que ça marche. Tata, je le pardonne parce qu'elle a besoin de nouveaux abonnés. Après l'avoir humilié, vous êtes une bande de racailles. Quand tu prenais au Tamka, au Tamta Nyox, au Tamta Nyox partout. Maintenant tu vas au Tamba avec un camp, tu demandes pardon pour combattre. Tu n'as pas le marqué que le long Foudia aime toujours autant. Jusqu'à même encore ses photos de photos de temps dans sa page. Hein? N'importe quoi. Elle conduit, elle a quel permis? Quel permis? Elle conduit quelle voiture? Voilà, Emmanuel Keta que tu as mis en haut. Emmanuel Keta roule dans les grosses voitures. Elle n'est même plus avec toi. Mbab de mbab, dernier de dernier. Ta journaliste à Vox Africa. Même les questions te dépassent à marcher. Tu parles à qui? Tu me vaux? Dernier des derniers, une tueuse comme toi. Je vais te répondre. Tu ne mérites même plus. D'abord, tu ne ressembles pas à une Camerounaise, tu ressembles à une tueuse. La journée a fait, tu as brûlé ta copine avec qui tu léchais les fesses là-bas au Cameroun. Léche dans le carabot, tu as mis le feu. Vrai ou faux? Après, tu as fui, ta famille t'a fait fuir. Tu es parti dans le pays où c'est au Mali, où tu as fait le Mali, le Sénégal et. Le Bénin, surtout au Bénin. Comme ça que tu as beau ça pour arriver ici en France. Tu as commencé à venir dans notre communauté. Toi, tu te connais, hein? Qui te connaît? Qui te connaît? Hein? Je n'ai pas venu parler de certaines choses que je n'ai pas venu de ce nom ici, hein? Quand ce pavané avait au tableau, on n'a pas vu. Le nom n'avait pas mal. Elle dit, je te demande pardon. Que te demande pardon? Une frélatée. Maman, une bosailleuse. Tu as quel respect? Aïcha Makoro. Avant de me parler. Tu me parles d'habillement, toi? Tu me parles d'habillement. Tu sais que je suis Aïcha, hein? Attention, hein? J'étais quand même à nourrir, hein? Tu as mangé déjà ma nourriture, hein? J'étais payé à boire, hein? Et là, moi, une saleté comme ça, tu parles à qui? Hein? Je te réponds étant nu. Parce que je suis une belle femme. Avec tes seins qui pendent. Avec ton dos plié, pissé, comme le jeu pissé. Tu parles à qui? Il peut vendre certains gens, tu es quoi? Tu représentes quoi de la sauce? Vous êtes parti à tout de mieux. Une voleuse. Tu as volé 2000 euros. Tu as remboursé ça. Hein? C'est ton histoire est sortie, ça veut partir, c'est à mettre ici. Regarde-moi, elle dit que les télévisions, machin, a fait ceci. Quand t'as pas sorti, j'ai même eu pitié de toi que ouais. J'étais même défendu que oh. Voilà, vous êtes Camerounais, soit comme ça. Dès qu'une Camerounais essaie de faire quelque chose, on va te knock. Tu te prends plus là pour que tu retiens à quelqu'un. Aïcha, toi, je passe avant toi. Je suis connu plus que toi. Tu attends, non? Tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tu es à Nevers. Pointu sang. Personnage âgé. Pro Max. Tu parles à qui? Faut me répondre, hein? Je suis madame de Grimont, toi tu es madame qui? Madame qui? Macro. Ton mari c'est le macro. Si tu es la seule, ton mari c'est le macro. Ça veut dire qu'il n'est rien. Tu vis où? Dans un petit studio? Une chambre? Hein? Là où tu passes ton temps à te passer ton temps à te filmer partout. Tu es star? Maman, à l'époque, les gens étaient, on cherchait encore le mannequin ici. Rien. Même mannequin du maïs, on t'a jamais pris nulle part. Coco, je m'avais fait l'émission de quoi. Arrivé là-bas, honte allait nous tuer. Tu as raté l'émission. Une petite suiveuse comme toi.
Et la personne qui a Vox Africa là, ça doit être une femme que tu lèches qui a Vox Africa. Là-bas, que ton émission donne quoi? Combien de Camerounais viennent là ton émission? Il faut que tu viennes dans ta communauté camerounaise pour qu'on soit vu. Tu peux parler à qui? Tu peux parler au nom français? Si tu veux faire un défi, toi et moi, regarde-moi une saleté comme ça. Soigne. Continue à demander pardon, c'est ton travail là-bas. Demande pardon aux gens. Voleuse. Ou voleuse. Regarde une voleuse comme ça, tu parles à qui? Faut bien me parler. Quand tu me parles, tu dis madame Degrémont, hein. Et là, j'ai peur de toi. Parce que, il faut partager mes vidéos, hein. Quand il me demande, quand il fait comme ça, vous partagez mes vidéos. Quel sens ça dans son tympan? Une personne âgée que bientôt tu attends qu'elle est morte. Mais si. Quand le pipi avait besoin de toi, hein? Le l'hôpital avait besoin de toi ici un moment. Hein? Pourquoi tu le mets aussi un peu en haut? Je me souviens. Elle m'avait dit que Aïcha Tsoné a fait une émission. Va faire une mission. Et qu'elle va me prendre. J'étais contente. Hein? Tu avais annoncé que le nom devait être dans l'émission pour présenter la mode. Le lendemain, qui on voit? Emmanuel Keita. Elle venait faire sa beauté là-bas. Elle parlait même les Français, même d'une connaissance de monde plus que toi. Aujourd'hui, elle est où? Elle a pris sa voix. On l'invite partout. Tout le monde tourne ici. Tu tournes à Vox Africa. Et à TikTok. Et moi, je tourne ici aussi. Tu parles à qui? Tout le monde est pareil. Commandeuse de viande de Bruce. Tu parles à qui? Je t'ai commandé quelque chose un jour. Ah, mais salaud comme ça, tu parles à qui? Tu sais d'abord que là, tu es personnage âgé, Aïcha Sol. Aïcha Makro, pointu sang. Never. Tu ne connais même pas ton âge. Pas la mort de ton fils. Ton fils a sauté de troisième ou deuxième ou troisième était dans un hôtel ici à Clichy. À porte de Clichy. À Clichy là-bas. Il cherchait sa maman en pleine nuit. Et quoi que ce soit, il entendait les gens fumer le bang en bas. Il est tombé le coup. On a dit que c'était pas toi. Si c'était moi, j'ai fait encore pas. Je vais sortir l'histoire de ça à Facebook. Et je vais sortir l'histoire là où tu as brûlé la femme, une fille au Cameroun. Parce que tu étais jalouse. Et là, quelqu'un ne veut plus de toi, tu l'as brûlé dans le calabote. Oh, tu as fui. Tu parles, tu as le cal. Une femme comme une jalouse comme toi, tu as fait quoi dans ta vie? Hein? Tu peux m'insulter toi. Et on a déjà échassé, tu peux m'insulter toi. Tu peux dénigrer toi. Tu es la dernière de Mbappé, tu peux t'appuyer plus que moi. C'est normal. Quand quelque chose va pointu sang, son habillement doit être comment? Imbécile va. Et demandez de pardon à Facebook. Oh! Massa. Moi, il faut vraiment arrêter fort pour que je demande pardon. Hein? Même si je demande pardon, le pardon n'est pas cessé dans ma bouche, dans mon cœur. Hein? Je demande pardon. Oh, Otamo! Par contre, demain, je vais acheter les codes, je vais attacher les codes, vous allez me voir. C'est même quoi ici à Facebook? N'importe qui se lève le jour là, même insulté. Mais maman, tu penses que je peux m'habiller? Tu me parles d'habillement, toi? Avant de me parler, il faut faire ceci. Regarde-toi, tu es devenu ridicule. Moi, je n'ai pas peur. Je dis à Aïcha Sol, je t'insulte propre. Je n'ai pas peur de toi. Va, fais ce que tu veux. Comme tu es grand de taille, je vais te secouer, tu vas tomber par terre. On va voir. Regarde-moi celle-ci. Même les bapales aux gens, les rate. Regarde, j'ai seulement vu mon écharpe aussi. Regarde mon visage, regarde mon écharpe. Lui, vit ton maison. Pas les lui du temps que tu vas chercher dans les maisons, quand les gens ont apporté ça pendant des années. Ils sont là devenus des cadavres. Ils vendent les anciens vieux lui du temps. Tu peux apporter. On peut t'amener chez la maison du temps. Moi j'étais. On peut t'amener chez Job. Moi j'étais. On peut t'amener où? Rien du tout. Vous faites les maisons, on appelle les trucs, les ventes privées là. Et tu parles d'habillement. L'habillement de quoi? De Mbappé. Tu étais capable de soulever les Camerounais à l'émission de... La femme là, comment? À M6 là. Maman, nous tous étaient comme ça. Maman, l'habillement t'a dépassé. Tu vas porter un haut qui est ouvert devant. Il fallait voir le gros trait plié derrière. Massa. Oh, il y a mort à Facebook avec les gens. Tu parles de qui? Tu es plus belle que moi, hein? Tu es un cas de temps, moi je suis courte, mais moi 1m50, j'ai conçu au pays, hein. J'ai fait venir mes enfants, hein? J'ai tout. Hein? Toi tu as quoi? Tu as conçu où au pays? Quand tu vis au pays, tu es un rat d'égout. Tu passes ton temps à aller filmer là où c'est sale.
pour montrer que le Cameroun est sale. Va pour des langues à hôtel, non? Imbécile, va. Avec comme ça, tu parles au Cameroun. Ta voix s'afrique à de mes fesses. Elle parle à qui? Quand on parle de moi, tu vois ma femme au table. Ils sont des amis. Hein? Tu vas demander pardon à Lolo pour combattre. Lolo pipi, tu dis, tu veux assurer son pardon. Vous êtes les mêmes gens, partagent du même sillon et raté de l'histoire de Facebook. Vous avez raté vos vies. Elle est tueuse. Elle est raté et les cordes. Vous avez formé un bon duo. N'importe quoi. Le duo de ça. Le procureur décide de maintenir Stéphane Kraut en garde à vue. Il ne reste que 24 heures pour vérifier ses déclarations. Mais c'est un homme, non? Après, il faudra le relâcher. C'est un homme. Moi, je dis qu'à Ishasso, moi, je n'ai pas peur de toi. Quand tu me parlais, hein, tu parlais d'Elisabeth Desgrumans parce que moi, je dis, on devrait que Ishasso, ce n'est même pas d'avoir son nom. Aïcha, ce n'est pas ton nom. Stock, ce n'est pas son nom. C'est comme pardon, je dis par exemple, Valérie Bolingo. Est-ce que Valérie Bolingo, c'est mon nom? Non. C'est, moi, je m'appelle Elisabeth Desgrumans. Bilo et Faux Elisabeth. Je suis une Bilo et Faux Elisabeth. Épouse Desgrumans. Et puis là, je m'appelle gentiment Elisabeth Desgrumans. C'est tout. Tu m'entends? Toi, tu as quel nom? Tu es belle, grande taille, tout. Tu sors avec qui? On t'a déjà vu avec quel gars? Hein? Ton enfant, quand tu as la fille de Laurent, non? La fille de Laurent, tu as fait la fois avec Laurent, tu n'avais pas honte. Quand Laurent était en prison, tu passais son temps à lui rendre visite. Il te gnassait en prison. Tu parles à qui? C'est n'importe quoi. Il faut parler normalement, je suis un être humain. Hein? Parce que toi, grande taille, tu n'as jamais rien fait. Il y a encore la prostitution t'a dépassé, alors l'autre t'a dépassé. Tu as dit que Sodo dit que comme quoi tu fais la télévision. Tu peux interviewer qui? Tu as déjà interviewé quelle star? Hein? Petite arriviste de pommes de terre. Parlez-moi, hein? Tu peux t'habiller pour t'avoir joyeux. Je suis femme classe, hein? Et j'ai un bagage. Tu attends, non? J'ai une garde-robe inestimable. Tu entends? Et là, quand vous parlez de moi, vous les qui? Dis que quand tu parlais de moi, ma copine, nous, tu n'en as plus copine, hein? C'est la guerre comme la guerre, tu me peux? Maman, quand j'allais racler mes pieds, quand j'allais faire le massage des pieds ici dans les trucs, c'est moi qui t'ai appris que les hommes adorent lécher les pieds. C'est pas très faire le massage des pieds. Pédicure, manicure. C'est Mireille coiffure là-bas. Tu me dis, hé, la veuve, on lève aussi les pieds. Je dis, bien sûr, les hommes adorent sucer les pieds. Tu ne sais pas ça? Tu fais comme tu ne m'as pas jamais, tu n'as jamais connu, hein? Regarde-moi ça. Lolo, pardonne-moi. Lolo, pardonne-moi, mais attends. Mais va chier avec ça. Nous, on parle ce qui nous trouve à Facebook. Quand quelque chose nous arrive à Facebook, on parle de ce qui nous arrive à Facebook. C'est ça. Tu as allumé la mèche. Nous, on ne l'éteint pas. Ça, le feu va continuer. Regarde-moi une salope comme ça là. Quand tu pars, tu vas au cimetière là. Tu vas mettre des. Il a fait longtemps, je n'étais plus vieux au cimetière. Hein? Tu as abandonné ton fils au cimetière. Un petit garçon, il a sauté de la fenêtre. Pap, le cou s'est cassé. Après avoir inhalé le monoxyde de carbone. Tu es parti faire la puterie. Les gens qui mettent les cœurs, les têtes de mort là, sachez que dès qu'il finit mon direct, je vais vous bloquer. Vous l'aimez trop, vous la connaissez où? Hein? Elle pourrait donner la chance à Lolo Pipi à Vox Africa. Elle a refusé. Elle est partie proposer la paix de Lolo Pipi à Emmanuel Keta. Lui m'avait appelé, c'est que ma veuve. Ouais, ma veuve. Maman, Aïcha m'a proposé de venir faire l'émission avec elle. Je suis content, j'étais contente avec elle. J'avais le Moscato ici le jour, je suis parti, j'ai ouvert le Moscato ici, ma. Hey, que. Je regarde encore bien. J'ai dit, Lolo, mais ce n'est pas toi qui es encore assis là-bas. C'était maintenant qui Emmanuel Keita. Ouais. Eh oui. C'est ça, hein. C'est ça l'amitié. Quand il dit à Lolo que tu couches avec au table, il m'avait dit quoi? Non, la veuve, non, je ne pense pas. Ce sont des amis. Ce sont des amis, non? Même le jour que Lolo passe, quand Otama, c'est le nom même qui a écrit que Otama passait chez Aïcha Son. J'ai appelé, j'ai dit que je ne sens pas l'histoire là bon. Je ne sens pas cette histoire bon.
Et aujourd'hui, on est où? Les cordes sont sorties, non? Tu demandes, encore pardon. Pourquoi tu n'as pas demandé pardon depuis? Parce que tu as vu ton show, ton chéri Coco, avec Otam. C'est pour ça qu'elle vient demander pardon. Les gens font rigoler. Maman, regarde-moi des choses comme ça. Elle va demander pardon parce qu'elle a vu son show. Qui est le show de l'ex-show de la veuve, l'ex-show de l'eau. L'ex-show d'Ali Chanson, quand Kama a pris. Elle va mourir là-bas dans ces choses là-bas. Est-ce qu'on a demandé pardon? Donc, je ne savais pas. Donc, ça veut dire que si Otam n'était pas avec Kankam, dans la petite vidéo là, tu as vu, ça t'a énervé. Subitement, tu dis maintenant, pardonne-moi. Ah oui? Pardonne-moi pourquoi? On t'a dit que Otam, c'est quelqu'un qui est facile. Parlez bien, hein? Sinon, il va te baisser ici à Facebook. Hein? Il va te dire comment lui, il te demandait seulement de te courber comme ça pour mettre le truc dans la nuit ici. Tu vas voir. Pardonne-moi. Hey, pardon. Moi, ta vidéo, j'ai trouvé sur Facebook. Ton mot, pas la vidéo, j'ai trouvé sur Facebook. J'ai été étonné que tu demandes pardon à Lolo. Lolo pipi. J'ai été étonné, c'est pour ça que j'ai dit que, je veux pas reprendre l'histoire, c'est tout. Donc, quand tu écris comme ça dans les réseaux sociaux, nous tous aussi, on doit voir. Quand on a dit quelque chose, quand quelque chose se retrouve dans les réseaux sociaux, on a le droit et l'obligation de parler. Ce qui est sûr, c'est ça. Et si chaque personne a son couloir. Quand tu es un personnage public, on doit parler de toi. Ne dis pas qu'avant de me parler, il faut bien s'habiller. Mouf. Tu parles à qui? Mbap. Je veux me lever là pour mettre ma robe Louis Vuitton. Hein? Pour toi. Moi, je suis là devenu journaliste. Tu as le thème de mes émissions. Je parle de la vie de la société, de la vraie vie, les vraies choses. Pas les histoires de bégaiements. Est-ce que. Avec ton petit sale perroquet, le fils là qui est là-bas là. Qui t'a mis un oxy aussi. Arrête un peu. C'est quoi? Je suis à Facebook, comme tout le monde. Quand le problème est de trouver à Facebook, ça, tout le monde donne son avis. Hé, hey, frère, vous pouvez me voir. Warriors. Maman. Pourquoi elle n'avait pas demandé pardon à le pipi avant? Elle n'avait pas demandé pardon. Dès qu'elle a vu que ma voix avait autant. Elle n'a même pas honte. C'est pour ça que ne demandez pas bon. Quand les gens prennent la cocaïne, ce n'est pas bon. Quand les gens parlent de bala, ce n'est pas bon. Quand ils chassent, met ça dans ces gros narines-là, qui nous sert de tuyau d'échappement là. C'est ça que moi je vous dis. Tchaï! La honte est dans la carte qu'elle a appelée au tam, toute la journée. Tu es où, chérie? Tu ne viens pas à la maison? Tu es où? Lui a dit, ah, laisse-moi. C'est là qu'elle décide que, maman, mieux vaut pour ne pas mourir, c'est dans mon coin. Je ne pas demander pardon. On sent que le pipi, elle a la force de répondre au tam un jour. Elle a la force. Elle va juger la victime des réseaux sociaux, c'est tout. Regarde-moi les mbap comme ça. Tam, mbap, mbap, mbap. Ta équipe épouse, c'est passé par la veuve joyeuse. Ça arrivait par le pipi. Aïcha se l'a ramassé. Un camarade a récupéré. Maman, quel long schéma. Le schéma de ça. Vous allez tous d'ici ici à Facebook. Je ne connais pas au tam. Womo! Aïe, chasseur, mais elle mourit. Le chemin est trop long. Ah, le chemin des stars. Ah non. Je suis star. C'est passé par la veuve joyeuse. C'est arrivé chez moi. Lolo pipi. C'est arrivé à ce de Shingo. Chez Aïcha mise une bansol. Quelqu'un m'a récupéré comme d'habitude. Et après de ça, sa star. Eh oui, quand on a récupéré, maintenant ça devient que. Quand on récupère, ça devient maintenant que. Oh, Lolo, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne savais pas que le gars allait me faire comme ça. Maman, tu ne pas. Quand Lolo a commencé à se plaindre ici, là, Facebook, tu ne pouvais pas demander pardon comme ma soeur. Pardonne-moi. Il était temps. TV Show, elle dit que Aïcha Sol, TV Show by Walls, de pas ton émission. Parce que moi j'ai du bon contenu. Oui. Et là, on va continuer avec des bons contenus. Viens dimanche. Et ne voyage plus.
Et voilà, je m'a dit, viens dimanche, je vais faire mon émission. Je t'invite à mon émission, tu vas venir voir la chimamelure. On va parler de vous ce dimanche. Oui. J'ai décidé que dans mes émissions, tous les deux semaines, tous les 15 jours, on parle de veuves. Dans la première semaine, on fait comme peut-être la semaine prochaine, je ne serai pas ici à Carcassonne. On va parler des faits divers, des jalousies et des gens, les détracteurs et tout. On va parler de ça. Dimanche, si on va faire. Ce dimanche, on va faire un fait divers. L'autre dimanche, on parle des veuves. L'autre dimanche, on va faire un fait divers. L'autre dimanche, on fait des veuves. On parle des veuves. C'est tout. Tu es veuve de qui? Veuve de qui? Le père de ta première fille, bandit. On a dit que c'était un violeur. Hein, Longuin. Et l'autre père de ton enfant, là, qui est mort, qui a été jeté, maman. La mort sur la conscience. À cause de quoi? À cause de montrer que tu as un gros cigare dans les magasins, dans les histoires africaines. Aïcha, quand elle sortait, c'est une histoire à Paris, on te connaissait. Hein? Je te pose une question. Hein? Quand comme ne l'oublie jamais ceci, mais quand comme t'as eu, elle t'a fait ça dur. Elle t'a fait, quand comme vous a fait ça dur. Mais attends, le fait souvent que autant vient le dire, bon, elle est assise, autant vient le dire, bon, soit dans une ambiance. Maman, elle a passé toute la journée à demander, à appeler que chérie, tu es où? T'as pas répondu. Tu me dis que non. La meilleure stratégie, c'est que, hein, que je parte demander pardon à Lolo. Hey! Maman, vous ne mettez pas le cœur. Si vous ne mettez pas le cœur, j'arrête mon direct. Hein. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas des étoiles. Alors qu'on parle d'un bon sujet qui vous fait rire. C'est pour ça que parfois, moi, mieux je regarde moi mes enquêtes impossibles là-bas. C'est pour ça que quand je parle après, je veux aller loin. Je dis que je m'en vais loin pour les qui comme ça après, bon. Non. Elle met la pointue sang. Sa pointue sang. Elle est née vert. Elle met la pointue sang. Elle est née vert. Personnage âgé de Facebook. Elle est née vert. Elle ne connaît même pas la date qu'elle est née. C'est un spécimen très rare. Vous avez déjà vu une femme qui porte la crête sur la tête? Elle croit qu'elle est belle avec ça. Hein? Tu vas faire les Photoshop chaque temps. Tu vas faire des filtrages chaque jour. Il y aura un jour qu'on va voir ton vrai visage. Sans maquillage. Laid de choses. Dortinga. Mais normal, elle vit avec une femme. C'est une lesbienne. C'est normal. Elle a le choix. Tu crois que quand d'abord un homme qui va supporter une girafe pareille. Une girafe. Elle est même plus longue que la girafe. Aïcha Mimbang, Makero, tu parles comme ça à qui? Tout le monde est obligé de me. Tu as posté quelque chose à Facebook. Hein? Tu aurais dû aller voir de l'autre là-bas, derrière là-bas, vous arranger. Sans que les longues fesses qu'on appelle la jeune va poursuivre et dit que quoi? Vraiment, c'est bien. Mettez-moi les étoiles, sinon moi j'arrête la vidéo. Hein. Si vous ne mettez pas, si vous mettez, moi je voulais animer Facebook avant de dormir. Si vous ne mettez même pas les même 50 étoiles là, moi je ne parle pas. C'est elle, eh bien il faut qu'elle dise des choses, qu'elle parle, qu'elle donne des informations, qu'elle alimente. Tout le monde doit être à la télé. Si vous ne mettez même pas ces cas et toi là, j'arrête ma caméra, il se fait à tard même. Qui sait le monaco, ce n'est pas ton montant que tu me sois là-bas. Hein. Mais merci quand même. Voilà, au moins, la page est sécurisée avec les étoiles, les cœurs et tout ça.
Il y a quoi comme ça? C'est vraiment un rapport de elle se rend intéressante, elle va être très sensible à la caméra, à la presse. Donc, maman, j'ai aussi un problème là, après je vais vous dire ça. De ci, de là aux enquêteurs. Et donc elle va faire un amalgame de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu pour faire sa propre histoire. Elle aime Binda avec Emmanuel Keita. 22h48. Evelyn Binda. Avec Aïcha, avec Emmanuel Keta. Emmanuel Keta, elle fait maman. Comment tu parles? C'est pas que Emmanuel Keta a capté la personnalité, elle a fait. Maman, quand Emmanuel Keta est arrivé dans sa télévision là, le jour au lendemain, boum, Emmanuel Keta avait déjà combien? Emmanuel, merci. Alice Ngobibou. Hey, Mako Ngobibou, tu es là. Hein? Donc, vous voyez un peu le style. Tu parles une Ivoirienne qui est connue. Emmanuel, que tu es arrivé dans ton truc. Hein? On parlait que d'elle. Il fallait voir le temps qu'on prenait pour la filmer. Toi, tu parles quoi? Tu as d'abord quel ton? Tu es qui? On les a. Hein? Hein? Les gens qui ont continué les papiers ici, marie-toi rien. La honte de la nation. Tueuse invétérée, je te suis que tu es une tueuse. Toi, j'ai peur de toi. Moi, je suis arrivé à un niveau qu'à l'heure ciel. Je n'ai même plus peur de personne. On a déclenché les étoiles, activé les étoiles. Il n'y a que 150 étoiles. Vous, je vais m'avec qui ici? Hein? Pardon, je vais couper ma caméra. Vous me faites pitié, vous me faites honte. Mieux vaut ne pas allumer ma caméra parfois. Je te fais une petite vidéo à chasse que regarde la femme que tu insultes. Hein. Ça, c'est moi, ça. Regarde seulement l'écharpe que j'ai au cou. Regarde seulement l'écharpe que j'ai au cou. Les lentilles aux yeux. Regarde comment je suis belle. Tu entends, non? D'abord, une voix même, tu n'as même pas. Moi, avec ma voix, donc, si on m'arrange bien. Tu vas voir comment je veux bien m'exprimer. J'ai ma télévision TV Show by Warriors. Hein? Quand je parle dans tes émissions là, Vox Afrique, maman, aucun professionnalisme, rien. Tu es là, tu te poses des questions comme tu parles d'abord anglais. You do speak English? Est-ce que you do speak English? Hein? Je te pose la question. Parce que normalement, les journalistes doivent savoir un peu poser certaines questions en anglais. Hein? Hmm? Tu as une voiture, tu as une bicyclette, tu as quoi? Hey, chasson, tu as quoi? Dis la vérité. Depuis que tu travailles comme esclave sexuel là-bas à Vox Africa de Manioc là, tu as remarqué, chaque fois que tu invites les Camerounais, c'est là où ça donne le buzz. Entre temps, t'es rien. Hein? Yes, I'm a secret English. Very little bit. English, yes, yes, yes. You want to question me? I'm waiting. I'm waiting. Vacation. Ouais, ouais. Et allez, les temps sont durs. On aime carrément. Et la fin du mois, c'est dur sur moi jusqu'à. Et Stéphane va être un gamin, un adolescent. Je vais être tout à fait. Le dit avec beaucoup d'émotion en disant il fallait que je le rassure. Il fallait que je le rassure sur son apparence physique. Mais attends. Aïcha Emmanuel Keta. C'était l'obsession. Elle était amoureuse d'Emmanuel Keta. Elle vénérait. Est-ce qu'Emmanuel Keta l'a amené un jour? Oh, elle a vu ensemble Ange dans ses grands hôtels où elle passe sur ses filmées là. Ans, toujours seule. Elle sent qu'elle est belle, on la filme seule. Hein? Toi, jamais, toujours dans. Elle se joue comme journaliste. Dans le jardin, en train de violer, enfin, des choses assez particulières. Même une journaliste doit maîtriser plusieurs langues. Maintenant, je vais apprendre l'espagnol. Habla espagnol.
Je vais apprendre l'espagnol. Je vais apprendre l'italien. Je vais apprendre l'allemand. Parce que je vais être une journaliste mondialement connue. Hmm? Toi, tu fais, tu crées ta part. Et chasse toi, si tu peux t'asseoir une fois, tu fais un direct dans ta page, les gens vont venir. La plupart qui vont venir sont des qui vont venir, des étrangers. Les Camerounais ne t'aiment pas, d'ailleurs, vomi. Dès que vous entendez que les gens pensent comme ça, il faut la même bande. Et le pipi, les mêmes gens partent pour aller. Vous allez là où on va vous voir. Hein? Moi, je suis derrière. Parmi la série, bonjour. Elle dit que Emmanuel Keta ne te considérait jamais. Tu faisais tout. Elle a fait ce qu'elle voulait. Elle était la plus belle du plateau. Elle était. Tu prends quelqu'un que Dieu m'aidait à partager mon tableau. Mon truc. Maman. On parlera toujours d'elle. Elle sera toujours dans nos annales. Toi, rien. Maman caca never. N'importe quoi. Si Keres te pido da algunas clases de espagnol. Je sais lire, non? Maintenant, ça veut dire alors quoi? Maintenant, ça va alors dire quoi? Si Keres te pido da algunas clases de espagnol. Ouais. Il dit que tout à l'heure, comme parfois, comme j'ai fini de préparer la poche, maman, j'ai seulement pris deux petits que de tout là, j'ai mangé. Oh, c'était bon. Oh, c'est comme ça que tu me réveilles. Alors, comme j'ai chargé aussi mes téléphones, je me réveille, je me fais un truc que j'apprends. On m'identifie dans un truc. Aïcha Sola a dit que les gens qui font quoi? Que avant que les gens lui parlent, les gens doivent bien s'habiller. Je n'ai même pas voulu suivre ce que tu as dit. Moi, quand je veux prendre le temps pour suivre ça, je veux te laver propre, primitif. Hein? Et même d'où? Primitif, regarde-toi. Je vais finir avec toi, Facebook. Bien sûr, moi je veux apprendre l'espagnol. Bien sûr, ça ne me dérange pas, ça me fera plaisir. Moi j'aime bien apprendre autre chose, quoi, parce que c'est très important d'apprendre notre langue. Surtout que je vais vivre bientôt avec Père Didier là-bas. Quand on demande de partager, je dirais, vous ne partagez même pas pourquoi. Ah, c'est une banane. Oh, les bananes sont très méchants, hein. Me fiez-vous, les bananes sont très envieuses, elles sont très méchantes. Les bananes couchent avec leur maman, couchent avec leur papa. Hein. Le 6 août, la ville de Beach est en deuil. En signe de solidarité, les commerçants ont abaissé leur rideau de fer. Oui, les bananes sont vers les doigts, non? Oui. Là, ça bouge. Deux jours après les obsèques, le 8 août. Les Nevers. Nevers. La journaliste Nicolas Bastuc contacte Péroline pour l'interviewer à nouveau sur Stéphane Kraut. Ils se rencontrent dans un café de pitch. Oui, Chacho, j'ai les seins debout. Les gens ont dit ça à Facebook. On a filmé les femmes pour mettre à Facebook. Ils ont les seins qui sont tombés, que c'est pour moi. Si je te montre ma poitrine, tu vas fantasmer. Tu attends, non? C'est là, tu vois. Debout, les seins, debout. La veuve joyeuse. Je ne suis pas lesbienne, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime les bras vigoureux d'un homme, d'un vieux homme, d'un homme qui me plaît. Il descend à la cave, il finit avec moi la cave là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Toi et moi, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même orientation sexuelle. C'est tout. Pareil pour vous, moi j'ai vu une vidéo. Mais attends,
très marrant, c'est que, est-ce que tu sais, Aïcha, que personne Camerounais ne s'intéresse pas à toi. Les Camerounais ne s'intéressent pas à toi. Hein. C'est peut-être moi, quand je veux, je m'intéresse. Parce que franchement, je n'ai jamais vu là où on s'intéresse à toi. Oui. Peut-être l'État, peut-être lui, s'intéresse à toi. Ou bien, Patricia Gronet, Dindon, qui s'intéresse à toi. J'ai même qui s'intéresse à toi. Parce qu'il y a eu une histoire de 2000 euros qui a disparu. Ou bien tu as volé 2000 euros. Ou bien tu as prêté, tu n'as pas remboursé les 2000 euros. C'est tout. En dehors de ça, depuis là, qui t'intéresse à toi? Personne ne t'intéresse à toi. Tu ne sers à rien à la communauté camerounaise. Péroline a craqué. Une fois de plus, elle vient de changer de version. Et elle dans Stéphane de viol et de meurtre. Le journaliste pense qu'il ne peut pas garder cette information pour lui. Et à ce moment-là, je lui dis, tu ne penses pas que c'est plutôt aux gendarmes que tu devrais faire ces déclarations et plutôt qu'à nous. Excusez-moi, je suis trop chaud. Et elle nous dit, oui, je veux bien, hein, mais c'est maintenant ou jamais. Marie-Ange, for you. Tu sais, quand je charge les potes, ça fait il y a 16 ans, mais c'est chaud debout. Tu sais, tant que tu n'as pas un problème, que ça ne te fait pas mal, ça ne fait rien, ça va rester là. Hein? Tu me détestes beaucoup, je me dis, tu sais, Marie-Ange, for you. Je ne sais pas pourquoi tu viens, tu m'indexes dans mes directs. Tu me détestes beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi chaque fois je te bloque, je te débloque jamais. Le problème, c'est que les pages Facebook sont très bizarres. Les pages monétisées et de sur quoi, n'écoute pas. Et de sur quoi, les pages, c'est qu'il y a un moment, il y a un temps que parfois, tu restes comme ça là, tu vois que les gens que tu as bloqués depuis reviennent sur la toile. Tu attends, non. J'ai pitié de toi. Tu es un faux profil ou un faux profil que depuis des années, hein, tu me cherches les problèmes. Tu n'es pas la bienvenue ici. Donc, mes 5, on a fait 20 ans. Ou 30 ans, mais j'ai une belle formation de seins. Tu sais, si je vais faire deux fausses couches, parce que mes seins sont encore bien plantés comme ça, comme les mandarines. Mes seins n'ont pas de problème. Mes seins sont encore bien debout. Mais je vais les changer. Cette année. Tu entends? Donc, toi, je ne te connais pas. Oui. Tu viens parler de mes seins. Mes seins sont vieux, mais c'est sur debout. J'ai dit que, hein, ferme ta gueule, tu ne parles plus dans mes choses. Je vais te bloquer vraiment à vie. Parce que là, je pense que je te bloque seulement encore dans le noir. Quand je vais aller dans le moteur Facebook te bloquer, tu vas comprendre. Changer, c'est ton dessin, c'est ton bien. Et alors, ça te dérange à quoi? Je t'ai dit que j'ai mal. Je vous ai dit un jour que j'ai mal au sein ici. De quoi tu te mets de mes seins? Hein? Toi-même, tes seins sont où? Je te connais. Envoie l'argent et change mes seins, non? Change tes seins. Là, Jésus peut te tuer. Tu ne parles plus dans mes directs. Si tu parles encore un jour dans mes directs, je vais te bloquer à vie. Je vais aller moi-même dans le moteur de Facebook. Et quand je vais dans le moteur de Facebook, tu attends. Tu ne me verras plus jamais. Que ça fait 16 ans. Même si ça fait 100 ans, ça fait quoi? Mes seins sont tués debout et je suis malade là. Je vous ai dit que j'ai un problème de seins. J'ai mon problème au niveau du ventre. Sale chienne que tu sois. Imbécile. C'est toujours vous les bamiers, quelqu'un qui venait dans mes choses. Depuis, tu as dit, attends, mais je veux sortir pour ton. Elle s'appelle comment là? Marie-Ange for you. Attends, je vais sortir ta photo pour voir qui tu es. Parce que là. Pourquoi Caroline est-elle aussi émue? L'endroit lui rappellerait-il un mauvais souvenir? Peut-être a-t-elle participé à. Tu t'appelles comment? Attends, je vais te chercher. C'est parce que je n'ai jamais eu le temps de trouver qui tu es. Le capitaine Matisse Marie. Rappelle Péroline à la gendarmerie. Ange. Le lendemain, 9 août au matin, le juge d'instruction convoque Péroline dans son bureau. Elle confirme ses accusations portées la nuit dernière contre son compagnon. Fille. Mais je ne te trouve pas, hein, c'est bizarre. Marie Ange, ah ouais, tiens, elle est là. Péroline sait où ça s'est passé tout ça. Péroline le sait, puisqu'il lui a expliqué que c'était. Donc c'est toi ici, Emma. Tu avais l'habitude d'aller pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est toi ici. Ouais. Donc elle sait parfaitement où ça se trouve. Elle sait parfaitement où ça se trouve. Est-ce qu'elle dit si elle était. Regarde, toi tu le sens d'avoir quoi allé, enfin, hein. C'est toi, donc c'est ton truc ici, hein. Je comprends ta frustration.
Même ta perruque que tu portes sur la tête, la perruque, les cheveux sont allés devant depuis une vieille perruque. Donc c'est toi ici, ma. C'est moi, c'est pas ma fille. Oh, les gens qui, quand tu entres dans leur page, ils ont créé les pages. Salle assistance HM Nantes Université de Paris, suivi par 372 personnes. Amis, je veux pas voir tes amis. Amis, tu n'as aucun ami. Oh mon Dieu, donc tu as effacé tous tes amis. Hein. Regarde, même dans ta propre page, tellement que tu insultes les gens sont venus mettre dans ta photo. Mais tu sais, non, elle ne se voit pas. On ne la voit pas. Mais je devine un peu qui elle est. C'est une frustrée femme qui est là, avec ses grosses cuisses. Une pétasse qui est là. On ne sait même pas qui est. Voilà sa photo ici. Voilà la fille là. Elle s'appelle Marie-Ange Feuillou. Marie-Ange Feuillou, je dis, hein. Depuis que tu es à Facebook, tu as vu quoi sur moi? Tu as vu quoi sur moi? Hein? Les gens, quand ils viennent de faire leur 5 là, hier là, parce que c'est vous qui avez contribué pour qu'elles puissent faire leur 5, vous avez donné l'argent pour payer leur 5. Moi, j'ai mes 5 depuis des années, que mon mari m'a offert. Hein? Mais je veux refaire ma poitrine. Est-ce que c'est toi qui m'as dit que non, va d'abord faire ta poitrine? Regarde comment c'est debout. Regarde les debout, si les debout, si ça ne me dérange pas. Je n'ai pas un problème avec mes 5. Hein? Si j'ai un problème avec mes 5 ici, je sais comment je vais le faire. Mon problème principal pour l'instant, c'est mon ventre. Je dois me faire opérer. Et je vais me faire opérer au total le mois de mai. Parce que le mois de juin ne va pas arriver que mon ventre est gros comme ça. Le mois de juin ne va pas arriver comme ça, que mon ventre soit gros comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'enlève les fibrons. Tu entends? Mes seins ne me dérangent pas. 2000 euros ne peuvent pas me dépasser en 3 mois. Ou 4000 euros. Que je me concentre que non. Je dois faire des économies. Je mets le mois c'est 500. L'autre mois 500. L'autre mois 500. 3000 euros, 2500 euros là. On me refait ça, tu dis, tu fais bien fait. Tout le monde est content. Je m'avais mal, tu me dis, vous m'avez 1500 euros, on me fait les 5. Tu m'attends. Vous êtes là, on ne connaît même pas qui vous êtes. Quand vous voulez entendre les vidéos des gens, vous voulez seulement que dénigrer les autres, même tu ne peux pas me dénigrer. Non, je ne te permets pas. Je te signale que plus jamais. Il faut changer les prothèses. Je suis qui pour toi, ta mère, ton père. Tu as fait les seins un jour. Allez faire les seins, non? On voit. C'est que mes seins que vous voyez. Voilà pour long, le que là-bas, elle emballe seulement sans couper ça. Il faut aussi demander de couper les seins, non? Demandez à l'autre de couper les seins. Demandez à les filles, est-ce qu'ils veulent diminuer leurs seins ici à Facebook? Vous savez pas ça? Moi, je vais faire la même chose quand mes seins vont. Je vais faire la même chose qui est sur ça. Ne vous inquiétez pas pour ma poitrine. Mes seins sont encore debout. Il y a les debout, les l'histoire. Ça ne me gâte pas, ça ne fait pas mal, ça ne pèse pas. C'est mon corps. Vous attendez, votre vie c'est ça. Va diminuer, c'est ça, ça a fait 16 ans. Le cul de ta putain de mère, c'est toi, c'est ta putain de mère qui m'a payé les seins là. Ne viens encore ici, vous êtes bloqué dans mon moteur Facebook. Dans tous mes moteurs Facebook, tu ne vas plus jamais me voir un jour. Tu vas crier de ton corps pour venir me voir et tu vas me respecter. Ça le pétasse là. Que mes seins atteignent 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, qu'est-ce que ça peut te faire? Si je me sens bien avec mes seins ne sont pas les seins de PAP, hein, ou c'est PAPA, ou c'est PA machin, tout là qu'on a dit. Hein. Moi, j'ai fait ça chez le docteur Tachin. Tu entends? Dans le 16e arrondissement, ma chambre était chambre émeraude. Tu entends? C'est le sophistiqué que j'ai, c'est sophistiqué debout. C'est la peine de mes deux enfants là, Dieu donné. Parce que quand tu es enceinte, les seins augmentent. Et quand l'enfant naît ou quand ça diminue, ça tombe même. Tu attends. Sans ça, parce que mes seins sont encore bien debout, comme les citrons comme ça. Mes seins étaient posés comme ça. Je peux te mettre certaines de mes photos que tu vas voir ma poitrine. Bap. Attendez. Vous êtes toujours comme ça ici à Facebook. Même les Chinois viennent faire la publicité dans mon mur. C'est grave. Hein? Même les Chinois font la publicité sur mon mur.
Je vais te bloquer ta race de porc là, tu vas comprendre. On ne sait pas là où elle est. Comme ça qu'on la chasse partout. Son nom est partout. On te chasse partout. C'est bien, tu as reçu, tu me fais bavarder, mais tu ne seras plus jamais. Je dis que je vais te bloquer dans le moteur Facebook. Même si tu me bloques. Regarde, tu me bloques, tu reviens. T'inquiète pas. Je vais te bloquer dans le moteur Facebook. Moteur. Même quand je bloque dans le moteur, même Facebook ne n'arrive même pas à faire que la personne revienne. Tu entends? C'est vraiment des sales comme ça là. Les, toujours les babinequés, les feuillous, les machins. Le cul de ta sale putain de merde de porc. Ce nombre de femmes qui ont déjà fait même 100 ans avec leurs seins. Donc tu te sens à l'aise avec tes seins, tu vas aller faire les seins pourquoi? Ils arrivent dans un palais de justice placé sous haute protection policière. L'atmosphère est électrique, on craint l'incident. Monsieur Raffray, à un moment donné, vous décidez, ce qui est assez logique et qui est une pratique courante en la matière, de confronter Stéphane Kraut et Caroline Garino, tous les deux assis dans votre cabinet avec leurs avocats respectifs. Tout à fait. Comment ça se passe? Grosse pression. Hein. Si je me souviens bien, je crois que j'ai d'abord donné la parole à Stéphane Kraut, puisque c'était lui qui accusait un petit peu Caroline d'avoir fait quelque chose. Donc lui a confirmé sa version des faits. Et puis au moment où je donne la parole à Marion Japap, tu dis que ça veut dire que ça fait 16 ans. Et alors? J'ai fait mes seins en 2003. Maintenant, ça fait combien d'années que j'ai les seins là? Il faut calculer. Donc, tu es d'accord avec elle? Donc, je te bloque. Attends, je vais te bloquer dans un autre moteur. Marion Japap, tu ne vas plus jamais me voir un jour. Tu vas regretter le jour que tu es né. Je vais te bloquer. Je ne vais pas te bloquer. Je vais te bloquer dans un autre moteur de Facebook que tu ne connais pas. Vous tous là, j'ai deux comptes, c'est le même compte. Attends. J'ai deux comptes, ma. Je vais te montrer qui je suis. Si on vous a dit pas vous bloquer, je vais vous bloquer, vous tous. Attends. J'ai tout mon temps. Marie-Ange Feuillou, je vais te bloquer tout toi là. Tout de suite. Vous allez partir faire votre tour là dans vos choses là que vous faisiez même faire là. Comment vous avez dit que c'est votre copine ici? Elle me l'a dit. Et si j'ai dit que j'ai fait mes soins, elle a fait 5 ans. Ça a quoi y voir? Ça a quoi y voir dans ce qu'on parlait là? Moi je suis avec Ali Chasson ici là. Ça a quoi y voir? Pas mal de confidentialité. Elle dit ça a quoi y voir? Tu sais, je vais te bloquer, je vais te montrer là où je bloque. Je vais vous montrer comment on bloque ici. Moi, j'ai deux comptes. On vous a dit qu'avec moi, c'est facile. Je vais vous niquer vos races. Personne ne comprend comment une gamine de 19 ans, jeune mère de famille, a pu faire une chose pareille. Ok. Le déchaînement de haine et de ressentiment se déporte sur Caroline qui, certes, a commis des actes très, très peu glorieux et que la morale... Vous savez qui Marion qui... D'un point de vue judiciaire, elle n'est ni complice, elle a tué personne, elle n'a pas provoqué les faits, elle a dissimulé des preuves d'une manière atroce, certes. Tout au long du mois d'août, Caroline continue de multiplier les versions et les revirements devant le juge d'instruction, comme devant les journalistes. Et le 31 août, elle enfonce encore un peu plus Stéphane. Voilà. T'en comptes ici, non, Marion Japap? Que voici, sinon? Sinon, je vais te montrer qu'avec moi, on ne s'amuse plus jamais à Facebook. Blocage. Regarde. Regarde le blocage. Il y a deux. Tu as vu là-bas le blocage là. Regarde celui du haut. Regarde bien celui du bas. Regarde le blocage du bas. Hein. Blocage Mandon et tout nouveau profil que cette personne pourrait créer. Je dis oui. Voilà. Maintenant, Marie-Ange Feuillou, vous croyez qu'avec moi c'est comme ça? J'étais vraiment en train de vider les bouteilles d'essence. J'ai aidé, je n'ai pas aidé
physiquement, hein. Non. Moralement. Oui, j'étais avec. Ouais, j'étais avec. Monsieur Raffray, comment se fait-il qu'alors que Péroline a avoué qu'elle était là au moment de la crémation... Madame Ange Feuillu, tu as été au duo d'avec, tu fais la même chose. Je te bloque dans le moteur de Facebook. Si tu dis encore d'avec, direct un jour. Parce que ce n'est pas moi, tu vas seulement crier. Quand vous aimez vos amis chassol, il y avait quelqu'un qui dans la conversation. Voilà. C'est bon, tu es bloqué. Maintenant, là, c'est bon, vous allez regretter. On vous a dit qu'on s'amuse avec moi. Hein. Le nom dit que c'est son naturel. Elle a fait que c'est une pauvre fille. Maman, tu l'as vu nue. Quand elle pose ses seins, elle arrive ici. Vous avez vu le nom nu. Moi, j'ai vu nue. J'ai déjà vu nue. Ses seins arrivent ici. Elle pourrait diminuer ça, non? Moi, j'ai demandé que le nom, tu n'as pas accouché. Comment tes seins sont... Tes seins sont plats. Plats. Donc, vraiment plats. Donc, il faut que, avant de faire le duel, il faut qu'elle... Oui, elle roule ça. Oui, elle roule ça. Hein. Et puis, elle a les soutiens. Je vais acheter ses soutiens là-bas au marché. Elle roule ses soutiens. Elle roule ça dans les soutiens comme cela. C'est ça. Son, je dis qu'elle ça arrive ici. Long, long, long. Vrai, vrai. C'est ça arrive comme ça. Elle a fait quoi avec ces seins là? Elle a nourri quel enfant avec les seins là? Elle pourrait aussi couper ces seins là, non? Hein? Normalement, à la base, les seins ne sont pas gros. Ne sont pas gros. C'est parce que, comme c'est gros, attends, il faut qu'elle prenne les gros soutiens. Dernier soutien là, le gros là, parce qu'il faut pas qu'elle aille comme ça, parce que comme c'est long, c'est long, tu vois, non, c'est comme ça qu'elle emballe ça, parce que quand tu emballes les seins, ça devient un autre comme ça là, c'est pour ça que, oui, même le tatouage qu'il y a là, quand elle est couchée comme ça là, quand elle est comme ça, le tatouage ne se voit pas comme ça, ne se voit pas bien, hein, parce que c'est un peu, mais c'est, dès qu'elle sort de comment on appelle ça comme ça, dès qu'elle elle met ce soutien là, alors oui, dès qu'elle met le soutien et tout ça, c'est là alors que le tatouage là se voit très bien. Mais si elle ne veut pas le soutien, hein, maman, les seins se baladent comme ça dans le cabas, pour me dire que c'est comme les longs pénis là, que ça se balade partout. Va demander à Agnès. Ben oui, enfin bref, on parlait d'Aïcha Sol que. Aïcha Sol, ce sont les mêmes gens. Les mêmes gens. Mais ça n'est pas la collision à vitesse réduite qui a tué Karine. Le docteur Monpère est formel. Karine a survécu au moins. Mais il y a des gens qui sont quand même mal intentionnés. Quelqu'un est à Facebook ici là. Les gens sont ici à Facebook. Tu ne sais même pas s'ils respirent ou sont, elle veut te demander l'amitié, tu acceptes. Après, il y a un moment, tu bloques la personne. Moi, je ne bloque pas, moi, je ne suis pas, quand je bloque les gens. Les gens qui portent la haine maroc là, vraiment, ou est tu qui là, vraiment, vous chemin quoi, parce que vraiment, je cherche seulement la mort ou quoi. Parce que est tu qui, ce n'est pas facile. Ça fait à une heure de temps qu'on est là. Attends, elle montre quelque chose. Elle n'est pas morte au moment de la crémation, elle l'était déjà. Parce que lorsque on meurt vif dans le feu, il y a des lésions que l'on observe qui n'ont pas été observées. On a fait des prélèvements de peau à différents endroits. Et alors, les seins naturels, vous avez les seins naturels et vous êtes. Ta seins naturels, hein, tienne. Dernière observation. Les seins naturels qui n'ont rien fait de bon. Relevé lors du premier examen. Vraiment? Moi, si, maman, si je dois avoir la qualité de femme là, maman, quand tu te déshabilles même d'abord, même là, dans le noir, maman, les longs, les sont jusqu'ici là. C'est qu'à une minute, merci, maman. Et que les sont, maman, oui, jusqu'ici. Donc, c'est un bagage là, c'est un bagage. Quand tu fais l'amour, c'est toi-même, c'est l'homme qui va encore aller embrasser. Quand tu fais enlever comme ça là, les cinq pas au sol. Et c'est comme ça que les cinq. Les deux accusés auront une relation sexuelle après avoir mis le feu au corps de Karine. À l'issue de cette expertise, le docteur Monpère n'est sûr que
Maman, les scènes sont à tomber, c'est naturel comment? Hey. Ouais, mais bon, il y a du nul, non? Laissez-nous les histoires là. Laissez les histoires. Lolo n'est pas une. Lolo, ce n'est plus une petite fille, c'est jeune. C'est un personnage âgé, hein, qui est né vers, hein. Parce que. Si vous voyez vraiment l'histoire là, en fait, elle dit non. Mais pour moi, c'est que les gens qui sont riés, on cherche un point. Oh, on est jalouse d'eux. On est jalouse d'eux. Hein? Jalouse de quoi dans ça? Hein? On est jaloux même de qui? On est jaloux du pauvre. Mais ça, on est jaloux des gens qui commandent les pommes de terre. On est jaloux des gens qui mangent les coquilles. Les coquilles manquent, c'est luxueux. Hein? Moi, je peux être jaloux de qui là maintenant là? Ah. Moi, c'est pas comme vous voyez mes étoiles, les petites étoiles de temps en temps, mes petites publicités qui passent. Après, je vais être contente. À la fin du mois, ça m'aide pour payer les factures. Sans vous mentir. Sans vous mentir, mais Waros. Ça aide, hein. Ça aide pour payer les factures. C'est tout. Ça aide pour payer les factures. Donc, vraiment, je remercie encore tous les gens qui me mettent les étoiles. Je vous remercie vraiment, hein. Parce que parfois ça aide. Sans vous mentir, mais voilà. Quand tu as une petite facture comme ça, tu sais que tout passe bien dans le compte. Maintenant, les gens forcent déjà le compte pour récupérer l'argent. Parce qu'ils savent que tu as encore. Forcément, l'argent va tomber. T'es dit. Ça aide beaucoup. Vraiment, ça aide beaucoup. Ce n'est pas grand chose, vous voyez, non. Mais ça aide. T'es dit. Et vous, vous êtes là, depuis que je m'abandonne là, je n'ai que 1,50€ que je vois devant moi là. 1,50€ Maman fait tout le babadage là. Mais est-ce que c'est quoi? Mais il y a des gens vraiment. Il y a des gens qui sont bizarres. Hein. Tu montes tes seins et la personne est jalouse. Ça fait 16 ans que tu as, ça va changer. Si elle va changer, vous allez encore dire quoi? Que ce n'est pas joli. Et quand on est comme, je suis comme vous. Quand elle va faire mes seins, vous allez voir que j'ai fait mes seins et que c'est un problème. Ce sont mes vieux seins. Mes vieux seins sont encore debout. C'est juste un peu tombé là parce que j'avais perdu mes enfants. C'est tout. Tu as vu, dans mon ventre, il y a moumou parce que j'ai bu. Comme j'ai bu le tout de Belong là, je vais encore boire ça le matin, je vais encore boire ça demain. Quand il va manger, je bois encore, je dors. Je vais gérer la douleur avec mon médecin demain. Et j'ai rendu avec mon médecin demain. Pardon, je vais allumer mon zip-zip. Et là, ça fait à une heure, non? On va allumer mon zip-zip. Et qui? C'est une déclaration d'une autre lors de l'interrogatoire dans lequel il dit. Je crois que c'est un sexuel avec le cadavre. Ouais, moi, c'est possible. Karine Schaff a été retrouvée dénudée. C'est possible. Oh, la joie du zip-zip. La joie du zip-zip, c'est une grande joie. Les cadres, c'est pas constitué. Ça tire les histoires. La zip-zip-zip-zip. Vous êtes là, vous attendez comme vous torturez le corps. Et que les zizi me torturent le corps, mon zizi ne me torture pas le corps. Hein. C'est moi qui fais ça à ma façon. Oh yes, fuck, I'm coming, yeah. Mais voilà, j'ai mon zizi, non? Bah, zizi. Parce que je ne dois pas trop montrer tout comme ça à Facebook. Non. En plus, c'est doré, hein. Ça travaille bien, c'est ma bonne dimension. Le zip zip, le zip zip, le zip zip, le zip zip. Ah, vous avez moi j'ai besoin que quelqu'un me caresse. Non, hey, mon zip zip, mon fait ça dure. Caroline s'accompagne pour poursuivre pour délit de modification des lieux d'un crime. Elle risque 3 semaines maximum, mais elle ne sera pas dans le box des accusés avec lui. Bah, maman, mon doigt, je t'ai dit. C'est vrai, hein. Avant. Avant, c'était mon doigt. Oui, mon doigt travaille. Non, c'est bon. Mon doigt, c'était excellent parce qu'il fallait que je. Pourquoi je travaille avec mon doigt? J'ai regardé le film au porno. Et puis, je tapais avec mon doigt. C'était extraordinaire aussi. Maintenant, là, j'ai mon zip-zip. La joie de ça. La joie du zip-zip. C'est mieux. Ouah.
Mais c'est vrai. Pour moi, c'est que bon, c'est des temps-ci. Quand ils veulent ouvrir ça. Ça dérange un peu ces derniers temps-ci. Ok. Zim, il faut toutes les femmes doivent avoir les zim, zim, vous m'en pas. C'est fiable et rapide. C'est fiable et c'est rapide. En moins de une minute, moins de deux minutes, tu as fait les zim, zim. Tu as fini avec les zim, zim, et vous m'en pas. Mes soeurs, ne vous accrochez pas que vous attendez que l'homme va venir vous caresser. Avec les zip zip, non seulement qu'il te bouge là-bas devant bien, en plus de ça, il tire aussi le clito. Maman, la joie de ça. Ça fait une heure de temps, non? On n'a pas fini encore avec Aïcha Sol. Aïcha Sol, tu t'envoies un message que il faut assumer ses actes. Tu savais que Lolo Pipi, c'est ta copine. Et non seulement ça, tu as pris son gars au ta mettre sur ton lit. Et en plus, c'est toi qui propose à Otam de venir dans ton émission. Et comme tu parles que tu es sage, tu demandes à Lolo de publier que Otam sera dans ton direct. Moi, je t'ai dit que je voulais dire que tu es méfié de toi. Je voulais que tu étais une tueuse. J'attends. Apparemment, je l'ai touchée, elle est sortie sur moi. Donc, je vais te dire une chose. C'est que tu es un focus. Tu entends, non? Quand l'histoire, les cordes se sont sorties, si tu aimais le pipi, tu devais y aller demander pardon. Que oui, ma sœur, nous tous, on a été pardonnés. Nous tous, on a été pardonnés parce que cette histoire nous a touchés, nous tous. Comme par hasard, tu vois ton ennemi numéro un, qu'on appelle Fleur de Lille, fait un peu semblant d'être pas avec on appelle le type là comment? Otam. C'est là quand tu sors. Comme quoi, Lolo demande, tu demandes pardon à Lolo. Parce que tu sais que tu es déjà une femme cocu. Quand tu as d'abord fait ça à Lolo, tu as occupé le temps chez Lolo. Maintenant, quand on occupe, on tu vois seulement Otam avec une femme comme Fleur de Lille, comme tu la détestes, tu sais, tu es dépassé par les événements. Ton gars, tu l'as appelé, il n'a pas pris le téléphone. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es dépassé, tu descends seul, tu as ta grande ligne d'un coup, d'un débat sur toi, tu tires. Parce que c'est une tireuse d'un coup grave. Tu tires. Tu sais plus quoi écrire. Tata Lolo, je te demande pardon. Tu sais que je t'aime bien. Tu mets dans ta page. Et puis tu veux que ça fasse quoi? Ça fait du buzz. Quand quelque chose, moi, je suis une influenceuse blogueuse d'État. Je suis connu plus que toi. Toi, pour qu'on te connaisse, il faut que c'est toi qui parles avec les gens. Moi, j'ai quand même noué les Camerounais au pays. Toi, tu as tué ta copine. Tu as brûlé la copine dans le bungalow. Parce qu'elle t'a trompé avec ta copine. Ta famille, on a traversé avec toi. Tu as grandi dans le pays de l'Est, le pays de l'Ouest. Oui. Et après, tu ne sais pas comment tu as atterri ici en France. On te connaissait pas au Cameroun. Tu peux nous dire que tu as fréquenté où? Dans quel endroit au Cameroun?
Tu as commencé l'espionnage étant un coup moyen 1. On m'a dit ton pedigree. Il faut savoir qu'ici à Facebook, tout le monde connaît tout le monde. Je n'ai pas peur de toi. Je ne pense pas que je vais aller m'habiller une robe chic pour venir te répondre. Je te réponds comme je veux. Tu ne me vaux pas. Tu es une tueuse. Tu as tué deux fois. Tu as tué ton fils. Et tu as tué ta copine au Cameroun. Tu attends. Parce que vous avez la chance que vous allez dans les familles pauvres. Tu avais ta famille avec un peu de moyens. On t'a fait quitter le Cameroun. C'est tout. Tu peux me parler, moi. Je n'ai pas peur de toi. Hein. La première fois que tu es parti au Cameroun pendant tant d'années, qu'est-ce que tu as fait? Elle est partie filmer les poubelles. Ouais, voilà le Cameroun. Voilà ceci. Vraiment une sale chose comme ça. Tu es déjà puni d'avance. Dieu va te punir. Ton fils est mort. Tu l'as tué. Tu as tué une fille au Cameroun et brûlé l'autre. Tu es une tueuse. Tu crois que tu vas prendre Otam? Otam va faire quoi? Il va faire quoi avec toi? Il t'a utilisé. Après, il vous a humilié tous les deux. Il vous a utilisé tous les deux. Il vous a humilié. Pourquoi tu attends le jour que Otam avait fait de l'île pour demander pardon à Lolo? Parce que tu veux aussi faire le buzz. Tu as besoin de buzz. Mais oui. Puis on la connaît d'abord où? C'est quand elle est passée même chez la reine de shopping là. Je crois que c'est ça. Oui, reine de shopping. Qu'on la connaît. Elle est passée. Tu es passée à reine de shopping au shopping. Je veux trouver encore l'épisode. Je vais chercher ça à YouTube ici. Tu as alors fait quoi? Maman, il croit qu'elle va sortir une camionnette bien habillée, maman. Tu vas porter un haut derrière avec un gros piton. Ton dos était plié comme le. J'ai jamais vu un dos aussi plié comme ta part là. Avec un gros trait là. Maman, tu vois comment le dos est plié. On t'a pas dit que les gens qui ont le dos qui sont pliés n'ont pas mettre le dos nu. Si vous la voyez, vous avez vu l'épisode là, et maman, la honte de ça. Elle était persuadée de gagner. Elle regardait tout le temps là où c'est cordé, là où c'est qui, la femme là qui elle couche, voilà. La présentatrice, comme si elles sont devenues copines. Et nous, on regardait tout. L'histoire était dans que dans votre histoire de télévision, de télé-réalité, là, c'est pour peser à Montsel, c'est pour Pangoukou qui a donné. Parce qu'ils ont mis du tien et ils ont gagné. Pangoukou a gagné. Ils sont allés à Dubaï. Ils ont eu leur chèque de oh, c'est 10 000 euros, c'est 1 000 euros, c'est 2 000 euros qu'ils ont eu. On les a envoyés à Dubaï. Hein? Toi, tu as eu quoi? On te connaît où? On ne te connaît pas, hein? Vous êtes tués comme ça dans les réseaux sociaux. Quand tu mets un post comme ça dans les réseaux sociaux et que tu as des détracteurs, tu attends quoi? Je veux bien écouter ce que tu as dit sur moi. Tu attends, je veux finir avec toi. J'ai souvent vu le début que quand on parle de moi, il faut d'abord s'habiller, il faut... Imbécile! Même Top Chef t'a humilié. Ou c'est Top Chef, ou c'est quoi qu'on dit? Pardon, il se fait tard. Demande à ça. Elle présente d'abord quoi? Elle a quel sujet là-bas? Je vais décrypter toutes tes pages Vox Africa là. Tu produis, Oishasso, tu produis d'abord quoi? Tu parles d'abord de quoi là-bas? Qu'est-ce qui est important là-bas? Tu es le fil d'actualité du pays, tu parles de quoi? Parce que je ne comprends pas. C'est les pages de Congo, ça? Tu invites qui? Les petits misérables gens que tu invites les qui? Tu as invité Messang, tu as invité l'autre là. Il n'y a que Marie-Christine Moussen qui a mis ta chroniqueuse là, qui lui a mis à sa place. Je me souviens que j'avais vu les histoires là. Alors, c'est à quoi? Est-ce qu'elle sait s'habiller? Maman, elle va se poiler pour quelqu'un. Tu n'es rien, je dis que hein, tu n'es rien devant moi. Tu portes la pointe, tu sens. Sang. Tu es né vert. Tu es personnage âgé. Le bimbo coupe. Aïcha Kaka. Attends, tu n'es pas comme moi. Tu ne me vaux pas. Personne ne me vaut ici à Facebook. Regarde-moi des gens comme ça.
Nous m'avait appelé, elle était tellement excitée. Hé, hey, la veuve, réveille-toi. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je veux passer la télé. Dis, quelle télé? Non, Aïcha Chose m'a proposé une émission pour la mode. Hein? Elle dit, maman, je me suis levé, je me connais, comme elle fait ça, comme une folle, elle était tellement contente pour elle qu'elle. Le jour-là, j'avais mon assiette d'un débat. J'ai d'abord tiré deux lignes d'un débat. J'ai ouvert mon mouscador, j'ai pu m'assurer comme ça. J'étais contente pour elle. Maman, après, hein? Maintenant, un jour, maintenant, je m'avais regardé. J'ai dit, hé, Lolo, mais ce n'est pas toi qui présente l'émission là. Maintenant, c'est une autre fille. Là, on appelle Emmanuel Keta. Elle a dit que, ma, pardon, je suis dépassé. Comme ça, Lolo parle souvent. Elle me dit, hey, ma, pardon, je suis dépassé. Je suis dépassé. Aujourd'hui, tu vas demander pardon à une personne que tu as fait du mal deux fois. Tu lui manques, elle va être conduite dans ton émission de la mode, dans ton Vox Africa. Tu lui manques, oh, elle va va rien faire si, quand Ota va passer l'émission. Au contraire, Ota va détailler. Si tu veux que je mette ce que tu as dit, parce que quand Ota ne voulait pas parler, mais c'est toi qui voulais qu'Ota me parle. Non, vas-y, parle. Nous, on a compris ceci, hein. Maintenant, tu vas demander pardon. Vraiment, alors, peut-être que là, le conseil est ancien. Parce que je vois que tout le monde a toujours demandé pardon. Hein. Mais si c'est moi qu'on attend de pardon, aucun pardon, zéro pardon. Tes pardon est une chanson de ta dignité. Ta dignité, ta dignité est finie. Tu attends, non? Ta dignité, c'est quand il y a le buzz au niveau du Cameroun que tu as les vues. Sans le buzz, tu n'as pas. Tu n'as même pas honte, une vieille grand-mère de peau d'Aïcha, comme ça, de peau de Boubou et Belle, vient s'asseoir à Facebook pour venir demander pardon à un enfant qui n'a pas accouché. Tu peux accoucher de l'autre pipi? Tu as quel âge? Vraiment une vieille, ou de rose étang de ses mains pas, des chromagnons, hein? Avec son corps rempli de chromosomes, tu viens parler à qui? On est pareil. Mets-toi pas à manger de bon bois. Mets-toi à manger de bon bois, Aïcha, selon moi. Si tu es belle, bois l'été qui arrive, hein? On va voir challenge Maïd au père ici là. Hein? Et arrête de fitter toutes tes photos parce que quand on te voit en vrai, tu n'es pas comme à la télévision, tu es laide. Hmm? Tu es laide. Avec ton vieux visage dur, on dirait un ancien boxeur. Une ancienne tueuse, oui. Pardon, mais moi je vous laisse. Hein? Parce que vous ne mettez bien plus les cœurs, vous ne mettez pas les étoiles, donc moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit, je suis fatigué. Hmm? Je remercie les gens qui ont participé à cette vidéo. Je me remercie aux gens qui m'ont mis mes 150 étoiles. Je vous souhaite une bonne agréable nuit. La nuit est longue. Dès qu'on va encore patrouiller quelque part, on arrive tout à l'heure. Merci.